C'est l'histoire d'un mec qui, avec des copains de lycée, a fondé le groupe de rock français. C'est l'histoire d'un rocker au gros cœur qui, après avoir résilié son abonnement téléphone, s'est branché solo. C'est l'histoire de Jean-Louis Aubert, artiste français de retour dans l'actualité avec un album nommé H. Même si la scène n'est annoncée que pour février, Jean-Louis et sa troupe, dont l'irremplaçable Richard Kolinka, sont déjà en studio afin de mettre en place un retour très attendu. Nouba y était, bien sûr. Puisque les dauphins sont des rois, que seul le silence s'impose, puisqu'il revient à qui de droit de tenter les métamorphoses. C'est le H comme humain. Mais aussi H comme, bon alors humain comme un minimum quoi, comme on dit, il a fait ça, c'est humain, il s'est trompé, c'est humain. Mais aussi comme un but. J'ai un peu l'impression qu'on, si on est encore des Christophe Colomb et si on a un nouveau continent à découvrir, et je suis persuadé que c'est un peu le cas, on regarde sur le passé comme s'il s'était passé des choses à une époque, en fait il se passe des choses importantes en ce moment, j'ai l'impression que le prochain continent, c'est l'homme, et en particulier chacun d'entre nous. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. On a commencé la musique dans une cave, dans des caves, donc c'est un peu notre élément. Les caves, quand t'es musicien, tu peux pas jouer chez toi parce que les voisins, c'est blablabla. Donc, tu te réfugies dans les souterrains. Et plus tu vas profond, plus tu es libre. Donc, on a un peu recherché cette ambiance qu'on connaît bien. Cet énorme bateau qui est très beau, qui ressemble un peu au bateau de Christophe Colomb, qui atterrit dans une rue vide, c'est bien l'idée de cette cave qui a grandi et que j'ai magnifié quoi. Je pensais que effectivement, même si on avait un bateau qui était pris sous la terre comme on est pris dans les glaces, qu'en fait peut-être on souffrirait, on pourrait échapper à la claustrophobie en soufflant de la musique dans les voiles, en soufflant de l'amour et en soufflant de l'humanité et en décollant comme ça, en faisant bouger et voyager notre bateau comme ça. Une cascade dans laquelle je me baigne, une source chamane quand j'ai le cœur qui saigne. Ton rire est un torrent qui enfle le moment, une source d'eau fraîche. Bien sûr, ça reste. Mais la musique, c'est pas. Je pense pas que la musique ce soit une personne, c'est un ensemble de personnes qui jouent, qui vivent ensemble, qui discutent, qui s'engueulent, qui s'aiment, qui se détestent. Enfin, on n'est pas des machines, quoi. On n'est pas des robots. Donc, et ça se sent, surtout sur scène, je pense. J'ai pas l'impression d'être plus solitaire, curieusement, qu'à l'époque de téléphone. J'ai même pas l'impression d'être plus solo. J'ai plus de responsabilités parce que ça porte mon nom, parce que je suis peut-être même à l'intérieur de ma famille musicale, plus respectée qu'avant. Mais j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression d'avoir toujours tenu le même rôle. C'est pour ça que je sens même pas une cassure énorme dans ma vie personnelle, quoi. Condition de la prison. Condition de la liberté. Intime des intimes, rocher perçant, tapis volant, ma schizophrène, faut que je te freine. Mon critère de sélection pour cet album, ça a été uniquement, ça a été pas la technique, pas le souffle, pas, ça a été la, est-ce qu'il se transpire quelqu'un ou quelques-uns? Est-ce qu'il se transpire de l'humanité à travers les chansons? Est-ce qu'il y a de la fibre? C'était... Donc je voulais pas que ça ait l'air d'une...
Souvent, quand on fait les albums en studio avec un producteur, c'est un peu comme si on refaisait au propre ce qu'on avait fait avant. Là, je voulais que ça soit capturé des instants comme ça. Si j'étais compositeur, j'aurais envie d'écrire ce qu'il écrit. Ce qui me pousse d'ailleurs dans ma flemme. C'est pour ça que je compose rien du tout. C'est que si je composais, ce serait un peu ce qu'il est en train de nous faire. Puis il le fait tellement facilement que je me dis pourquoi me faire chier. Les infos diverses et variées de Nouba, c'est tout de suite. Le printemps...